Bonjour à toutes et à tous, chers acteurs du Nouveau Monde. J'espère que vous vous portez aussi bien que possible. Alors, dites-moi, selon vous, du combat qui oppose actuellement Kémy Séba, fondateur d'Urgence Panafricaniste, et Eguchi Béhanzin, fondateur de la LDNA, qui sortira gagnant? Qui sortira vainqueur? Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, formateur en maîtrise du verbe et donc en maîtrise de soi, et je vais vous apporter ma part de réponse face à cette actualité croustillante. Alors, comme vous le savez, Kémy Séba, que l'on ne présente plus, est actuellement à Paris, parmi nous. Mais il n'est pas venu pour prendre des photos de la Tour Eiffel, hein, comme vous pouvez vous en douter. Il n'est pas venu non plus pour marcher aux côtés d'Assa Traoré, étant donné que la marche a déjà eu lieu, la marche historique. Non, il n'est pas venu non plus pour déboulonner la moindre statue, estimant même que ces statues, eh bien, servent sa cause. Il est venu pour une seule et bonne raison. Il est venu pour marcher sur Eguchi Béhanzin. Oui, pour ceux qui savent un peu ce qui se trame dans les coulisses de l'afrosphère militante, eh bien, il faut savoir qu'il y a une guerre des chefs qui fait rage. Alors, je précise, hein, la guerre des chefs a lieu partout, tout le temps, dans tous les groupes d'hommes. Il y a une guerre des chefs. L'adage africain le dit, dans une savane, il ne saurait y avoir deux lions. Ceux qui sont accros au football voient bien que Lionel Messi est en train de faire mordre la poussière à Antoine Griezmann. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent par exemple que Staline a eu la tête de Léo Trotsky, ou alors en France, Robespierre et Danton aussi se sont croisés le fer. Donc c'est pas nouveau. Quand il y a des hommes, il faut qu'il n'y ait qu'un seul chef. C'est comme ça. Et actuellement, dans l'afrosphère, dans le panafricanisme 2.0 séparatiste, il y a cette guerre des chefs qui a lieu. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qui permet à Kémy Séba de dominer outrageusement Eguchi Béhanzin? Oui, parce que quand j'ai posé la question en préambule de la vidéo, la réponse est très simple. Évidemment que Kémy Séba sortira grand gagnant. Et pour cause, il est déjà gagnant. Le futur est déjà dans le présent. Maintenant, pourquoi? Est-ce que la réponse se trouve dans une différence idéologique qui les opposerait l'un à l'autre? Absolument pas. Il suffit de tendre l'oreille à leurs propos pour s'apercevoir qu'il n'y a pas une seule virgule de différence dans le fond, en termes d'idées, entre les deux. Les deux se réclament du séparatisme, crachent sur toute idée d'intégrationnisme, voient dans tout afro qui s'intégrerait, qui aurait un poste élevé à un nègre de maison, les deux combattent ce qu'ils appellent le néolibéralisme oligarchique, voient dans le peuple un ange et dans l'oligarchie mondialiste un démon. Donc là-dessus, il n'y a aucune différence entre les deux. Dans ce cas, où se trouvent les différences? Eh bien, les réponses sont triples. La réponse est triple. Première différence, et non des moindres, la cohérence. Kémy Séba est cohérent dans son discours. Il ne l'était pas quand il vivait en France. Aujourd'hui, il l'est puisqu'il vit en Afrique, principalement. Et d'Afrique, il est bien évident qu'on peut, de façon cohérente, prôner le séparatisme. Au nom donc de l'anticolonialisme, de l'anti-France-Afrique. C'est logique, c'est cohérent. Aucun problème là-dessus. Ce qui n'est pas le cas de Eguchi Béhanzin qui, vivant ici, hélas, est plongé, est prisonnier d'une incohérence idéologique dont il essaye de se départir en estimant, là récemment, que oui, c'est mieux d'être au cœur de la bête. Comme si être au cœur de la bête, ça signifie être sur le trottoir ou à côté des métros et non pas à l'Assemblée nationale ou dans les bureaux où sont prises les décisions politiques. Non, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Ça, c'est un premier talon d'Achille. Deuxième élément de réponse qui explique la domination de Kémy Séba sur Eguchi Béhanzin, l'image. Oui, ça saute aux yeux. Kémy Séba d'aujourd'hui est très loin du Kémy Séba d'il y a 10 ans, qui se permettait de se présenter devant la caméra avec un col roulé froissé ou avec des cheveux sans contour ni peigne. Non, le Kémy Séba d'aujourd'hui et depuis quelques années d'ailleurs, c'est un Kémy Séba tout droit sorti d'un magazine de mode. Crâne rasé proprement, barbe taillée au laser et au boubou fluide, à la différence d'un Eguchi Béhanzin qui semble être sorti d'un clip de rap, avec des tresses, avec des lunettes de soleil dignes d'un clip de Caris, et avec une gestuelle encore, n'en parlons même pas. Et alors que dans un monde où, comme on dit, hein, on observe, on écoute d'abord les militants à la télévision avec les yeux avant de l'écouter avec les oreilles, et bien à ce niveau-là, il est vraiment, hélas, à la ramasse. Eguchi Béhanzin, il faut le conseiller pour ceux qui sont autour de lui. Mais troisième élément de réponse, et à mon sens le plus important, le verbe. Oui, parce que s'il y a bien un domaine dans lequel Kémy Séba excelle, c'est bien le verbe. Et pour cause, il a eu la chance, le privilège,
de ne pas venir au monde, à la différence des Gucci Péranza, et de ne pas grandir dans le ghetto. Il n'a pas grandi dans le wesh-wesh. Autrement dit, il n'est pas un handicapé de la langue française, comme le sont 99% des afros de France. Comme le sont, s'agissant de la langue anglaise, 99% des afros du ghetto américain. Non, lui, il a eu la chance de grandir dans une langue châtiée, du fait de la transmission de ses parents, et ça lui a donné justement cette aisance et cette hauteur, d'autant plus qu'il a été formé. Maintenant, la question est de savoir pourquoi lui, en retour, n'a formé personne en 20 ans. Bon, ça c'est une question dont Dieu seul sait, Dieu seul a la réponse. Mais c'est ce qui lui permet de dominer. Là où un Ekouji Béanzin, hélas, parle, quand il ouvre la bouche, on entend le 9-3, le 9-1, le 7-7, le 7-8, on entend le HLM, on entend le ghetto. Oui, pour le dire autrement, hein, Kémy Séba s'exprime comme un lion, Ekouji Béanzin comme un pitbull. Et le peuple préférera toujours écouter les lions. Donc Kémy Séba, en venant faire sa conférence de presse, n'est pas venu propager une idée. Il est surtout venu dire à Ekouji Béanzin, hey, « Eh, petit frère, si tu veux t'asseoir sur le trône, il va falloir t'asseoir sur mes genoux. » Maintenant, pour toutes celles et ceux qui veulent s'exprimer comme Kémy Séba et non comme Ekouji, c'est-à-dire comme le nouveau Sankara et non pas comme Sankaris, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, me contacter.